Bon, bah c'est parti, on va faire la suite, du coup, de The Dark Picture, Little Hope. Bah c'est parti, en solo, comme d'habitude. Arrête de télé. C'est drôle ça. Allez, en solo. Let's go. Nouvelle histoire. Merci de vous être arrêté. De rien. Un souci? Il y a un problème plus loin. Un grave accident. On a dû fermer la route. Ça va. Tout le trafic est dévié vers Little Hope. Est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu perdu. Ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Prenez la route est. Vous traversez Little Hope. Ça ne sera pas beaucoup plus long. Ça ne sent pas bon du tout. Bon, c'est la suite de Man of Medan. Enfin, la suite. C'est pas vraiment une suite, hein, parce que c'est une toute nouvelle histoire. Je suis vraiment impatient de découvrir tout ça. Arrêtez de pointer ce truc, il va se désintégrer. C'est le jeu qui est quand même assez bon, mine de rien. Un petit peu moins de 3 mois. C'est bien. Il paraît que les premiers mois sont les plus durs et risqués. Je sais que c'est ridicule, mais ça m'aide énormément de m'accrocher à ce jeu. Hey, c'est pas par là? Ça va, c'est juste un crochet. Non, ça ne va pas. Pitié, John, vous pouvez arrêter de me faire la leçon. Vous pouvez faire moins de bruit. Oh la vache. Oh oui, le son il est vraiment énorme, je trouve. J'adore. Trajectoire actualisée. Je rappelle ce jeu, hein, donc on a des choix qu'on doit faire tout le long de l'aventure, et en fonction des choix qu'on va faire, l'histoire va changer finalement. Donc on va essayer vraiment de faire l'histoire en fonction de mes propres choix que j'aurais fait si j'étais à cette place. Forcément. Je te prends au sérieux, chérie. C'est juste que j'ai passé une sale journée.
Ça t'étonne qu'ils se disputent encore? Pas moi. Tu as bu, comme d'habitude. J'ai juste regardé le match avec les collègues, c'est tout. Mais bien sûr, je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job à l'usine. Ça fait des années que tu dis ça. Je m'inquiète plutôt pour Megan. Qu'est-ce qu'elle a, Megan? Je vois pas où est le problème. Après 10 bières, on ne voit plus les problèmes. Le révérend Carson l'a encore gardée après la prière. C'est la 4e fois. Elle va mal, c'est sérieux, James. Tu t'inquiètes pour rien avec cette gosse. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme d'habitude. Tu ne t'occupes jamais de rien. Quand est-ce que tu auras le temps? Tu te fais une montagne de 3 fois rien. T'es en train de te rendre malade sans raison. 3 fois rien? M'occuper seule de tous les problèmes de la famille, j'appelle pas ça 3 fois rien, moi. Un coup de main ferait pas de peut-être mal. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu vois pas à quel point c'est dur pour moi. T'es pas la seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse. Pas maintenant. Pas ce soir. C'est bon. Maison des Clark. Tania Trenn. Avec Anthony. Donc c'est qui Anthony? C'est lui? Alors. Il y en a au moins une parmi nous qui s'amuse. Laisse-la vivre. C'est lui qui m'inspire pas. Ce type a rien à faire avec elle. Toutes ces conneries de New Age. On dirait une espèce de secte. Il est venu l'autre jour. On a discuté 5 minutes. Il est cool. Ça, c'est un classique. Un disque légendaire. Hé, hey, arrête un peu de le tripoter. Hé, hey, Bigfoot, tu vas bousiller mon vinyle, fais gaffe. C'est pas la peine de t'en prendre à elle. C'est un accident. Tout ce que Megan fait est soi-disant un accident. Être méchant comme ça? Qu'est-ce qu'il a à être méchant, lui? Oh, ce givre. Si personne répare cette porte, la prochaine fois, je passe par la fenêtre. Ça va? Me dis rien. Il a encore picolé. Ils ont commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. À propos de quoi cette fois? Papa a encore bu. Quelle surprise! Ils se prennent la tête tout le temps. Ça devient une rengaine, comme un disque qui passe en boucle encore et encore. Ils sont tous frères et sœurs? Dennis, ou... pour la 36e fois, tu peux aller ranger ton bazar dans le grenier? Hé! Hey, un peu de respect! C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Je pense que oui, hein. Ça doit être que des frères et sœurs. Elle a dû être militaire dans une autre vie. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est encore plus pénible que d'habitude ce soir. Un vrai con. Et à part ça, rien de neuf? Hé, hey, Dennis! Hé! Hey! Pas maintenant, j'ai pas le temps. À mon avis, il va se passer des choses avec cette petite là. Ou avec lui. Hé! Hey! Arrête de faire la folle! Y'a personne? On le sent pas tout ça. Bien Seigneur, tu m'as fait peur, mon ange. Et bien je vous ai entendu elle. Parler de moi. Pas maintenant, Megan. J'aimerais prendre un bain, tranquillement. Et oublier un instant tous ces problèmes.
Tu devrais peut-être en parler aux parents. C'est pas une bonne idée que je me mêle de ça. Tu me connais, donc, je elle, fais c'est Tania. Des choses. Apparemment, ça avait c'est l'air écrit plus sur grave son que leur connerie habituelle. L'étiquette. Ils étaient en train de parler de Megan. Elle a fait un truc grave. Je suis vraiment pas étonnée. Il y a quelque chose qui cloche avec Megan. Je comprends pas pourquoi tout le monde lui en veut. Ok, monsieur le gentil chevalier servant. Où est la petite princesse d'ailleurs? Vaut mieux laisser Megan tranquille. En tant que grande sœur, c'est ma responsabilité c'est ça. D'aller. Bien des frères et sœurs. Ouais, c'est ça. Comme si t'étais responsable. Elle est à l'étage. Je vais la voir. Venez pour prendre les objets. Le joystick droit pour examiner certaines interactions révèle des secrets. Je sens que la manette vibre, mais je vois pas ce que je peux faire. C'est peut-être normal. Fallait juste relâcher le bouton. C'est bien fait, hein, franchement. Forcément, il s'est endormi. Oula, on va faire du bruit. La touche peut devenir Y. D'accord. Pour l'instant, c'est A et Y maintenant. On éteint la télé et il va se réveiller, je parie. Forcément. Tu devrais surveiller ta petite sœur de près. Maman s'inquiète beaucoup pour elle. Qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, papa. Tania est en train de s'en occuper. J'aimerais bien te voir élever une famille pareille. Même le diable aurait du mal à s'en sortir avec vous. Et le papa méchant, en tout cas. Enfin, méchant. Oui. On peut dire ça. Il s'est déjà endormi, putain. C'est la maladie de on s'endort d'un coup. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est tout va bien, puis d'un coup, on s'endort. non, attendez, on n'a pas tout vérifié là dans la pièce. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un livre de sorcière apparemment. Oh. Little Hope Museum. D'accord. Le meilleur moyen d'oublier ses problèmes. Là. Il peut avoir des choses cachées. J'ai rien vu, la manette ne vibrait pas, donc à mon avis, il n'y a pas grand chose à voir. Il donne juste l'info peut-être pour plus tard. Ok, donc là on est revenu là. Hé, hey, Tania, t'es là-haut? Et Megan, ça va? Je sais pas, je l'ai pas encore vue. Fermez-la un peu. J'aimerais bien dormir, moi. T'es content de toi? T'as réveillé l'ogre. Laisse-le,
Trouve Megan. Ça va, je m'en occupe. S'il vous plaît, arrêtez de gueuler pendant quelques minutes. Je voudrais bien avoir un peu de calme. Restez gentil avec lui, parce qu'à mon avis, il peut vite partir. Un mot. C'est déjà assez compliqué sans que tu t'y mettes. C'était quoi tout ce boucan, au juste ? Je voulais juste savoir comment allaient les filles. Bah, bon courage. Megan n'est pas facile. Anthony, qu'est-ce que tu fabriques ? Anthony, c'est pas vrai, t'es où ? Anthony, ça me fait vraiment pas rire. Anthony, je te jure que ça ne me répond pas. Oula. T'as raison à propos de ma famille. Là. Je le pense aussi. Tania ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette petite peste m'a enfermée. Je suis en train de geler, moi. Je viens t'ouvrir, doucement avec Megan. J'arrive. Je suis en train de cramer. Elle a une amie diabolique, apparemment, la petite Megan. Merde ! Megan ! Ouvre-moi ! Et le père, il dort encore ou ça le réveille, là, le bruit ? La cuisine est en feu ! C'est pas vrai, tu déconnes ! Ça y est, tout est en train de prendre feu. Et lui, ça le réveille pas, nom de Dieu. Maman ? Où vous êtes tous passés ? Anthony ! À l'aide ! Elle a enfermé la mère dans la salle de bain. Le père, de toute façon, il est bourré. Anthony ! Il y en a un qui est dans la grange là-haut. Dans le grenier, plutôt. Qu'est-ce que tu fabriques là-haut ? J'étais coincé dans le grenier ! Et c'est par le balcon ! Anthony, à l'aide ! Tu vas pas casser le carreau, là ? Voilà, bonne idée. C'est fini pour les darons, à mon avis. Wow. Oh non, moi j'ai de Tania, moi. Dans tous les cas, elle était impossible de sauver, petite Megan, là, non ? Je pense, je ne sais pas du coup. Le long de la gouttière ? Attrape la gouttière et essaie de descendre. J'espère que j'ai pas fait déjà un mauvais choix. Je crois que j'ai fait un mauvais choix. Merde. Bon. Ah, je suis dégoûté. Tout le monde meurt.
Il va pas mourir aussi, lui. Ouais, je pense que c'est normal que tout le monde meure, en fait. Oh, c'est gore de ouf. Là, il vient de voir tout le monde mourir. D'un coup. Mais pourquoi il va dedans? Pas compris. Pourquoi il était dedans? C'est curieux. Et du coup, forcément, le monsieur qui a rejoint a pensé que c'était lui, sachant qu'il avait une boîte d'allumettes. Won't you spare me over till another J'ai l'impression que le jeu va être beaucoup plus effrayant, je pense. J'adore ça. J'adore. Et ravi de vous revoir. J'ai une nouvelle histoire pour vous. Très différente de la précédente. Très différente, bah oui, du coup, forcément, c'est pas du tout pareil que Mad of Medan. Déconcertant, non? Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'histoire qui nous intéresse n'est pas définitive. C'est encore une esquisse que vos choix participeront à compléter. L'incendie, non, vous ne pouviez rien faire pour éviter voilà. Cela. Je pense qu'on pouvait rien faire. Fait. À moins que... Enfin bon, tournons-nous plutôt vers l'avenir. La vie n'est qu'un fantôme errant. Vous êtes sur le point d'entrer dans le plus trouble, le plus dérangeant des mondes. L'aspect dérangeant dépendra de ce que vous choisirez de croire et l'aspect trouble du chemin que vous voudrez suivre. Il existe un nombre infini de directions dans lesquelles on peut voyager. Nous disposons rarement des indices nécessaires, mais nous devons néanmoins choisir une voie en espérant obtenir la clarté et le résultat que nous voulions. Comme dans la vie, vos choix auront un impact. Vos prises de décision affecteront les autres. Vous avez vu le début de l'histoire. Tous ces morts. Combien d'autres suivront repose entièrement sur vous. Tout dépend des décisions que vous prendrez. Que serez-vous, pragmatique,
sensible, plutôt la raison ou le cœur? Il n'y a pas de bonne réponse. Parfois, l'un vaut mieux, d'autres fois, c'est l'inverse. Mon conseil, si je puis me permettre, c'est « Sois loyal envers toi-même. » Voilà. C'est ce qu'on va faire. Mais je ne suis ici que pour consigner ce que vous faites, pas pour vous aider. Je ne suis pas censé intervenir, hélas. Pas mon rôle, semble-t-il. Mais je suis, semble-t-il, autorisé à partager la sagesse de grands conteurs d'histoire maintenant disparus, si toutefois je l'estime nécessaire. Oh, une dernière chose avant que vous ne partiez. Vous pourriez trouver dans Little Hope des images qui vous donneront un aperçu d'un futur possible, une chose qui peut éventuellement se produire. Servez-vous-en. Elles peuvent vous aider. On vous attend un enterrement. Allez-y, amusez-vous. Je sais apprécier un bel enterrement. Mais non, franchement, ça annonce du lourd. Ça annonce du très lourd. J'ai l'impression qu'il va être beaucoup mieux que le précédent. En tout cas, ça me donne plus envie encore.